Si, hé, hey, lâche-la. Si, si, si. Fâche-toi. 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 Fâche. Hey. Si, si, si. Nom de Jésus. Tu as gâché quoi dans sa vie? Comme quoi? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je sais, mais... Tu gâches son argent. Oui, je gâche son argent. Tu gâches sa vie. Elle a beaucoup d'argent, mais je gâche. Mais c'est ce qu'on marche. Je veux pas qu'elle gagne l'argent. C'est une manière d'aimer quelqu'un comme ça. Ça veut dire Jésus est ici au milieu de nous, c'est ça? Amen. Il y a des Congolais dans ça, non? Jésus, Yeshu, Azali, Awa. Ça veut dire Jésus est présent au milieu de nous. Amen. Hein? Jésus, Azali, Awa, Nabiso, c'est ça? Ça veut dire Awa, Nabiso, Nabiso. Ça veut dire au milieu de nous tous. Jesus, Azariah, 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 Jesus, Azari
de l'église Pentecôte authentique internationale de France. Soyez bénis, amen. Dans le nom précieux de Jésus, dis à ton camarade, ton voisin, ton frère, sois béni, sois lui ton frère. Dis-lui, sois béni. Amen, amen, soyez bénis, au nom précieux de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons saluer comme ça la présence de notre Dieu? Vous êtes assis là, on pense à un Dieu. Levez-vous quand même. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer notre Dieu? Amen, amen. Alléluia. Dis juste à ton voisin, Dieu est merveilleux. Dis à quelqu'un qui est merveilleux. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est merveilleux. Alléluia, dis à ton voisin Dieu merveilleux. Il n'entend pas parler, dis à ton voisin Dieu merveilleux. Alléluia. Avoir le souvenir, c'est une grâce de Dieu. Amen. Amen. Et la grâce de Dieu, c'est un don immérité. La distinction de la grâce est vraiment méritée. Amen. Seul Dieu décide. Seul Dieu est notre maître de notre vie. Le cœur de votre décision. Amen. Amenez-la ici. Amenez la chambre ici. Amenez-la ici. Amenez-la ici. Amen. Viens vous asseoir. Elle chante très bien. Amen. Elle a entendu la chanson. Elle dit, mais attends, elle chante bien. Nous avons tous commencé par là. J'ai l'impression qu'elle a eu un problème de confiance en soi. Elle s'est dit, peut-être qu'il y a des chants ici. Et donc elle a peur, comment on fait le studio, on fait de la musique, tu sais un peu. Je me suis réveillé, non, il faut que je parle avec elle. Et pendant que j'ai parlé avec elle, il y a une transmission d'onction. Amen. 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 J'ai dit, je viens de ma chambre, elle vient de récupérer l'onction tout fraîche sur sa vie. Amen. Nous, on ne doit pas encore de la prière. Donc quand tu as contact avec nous. C'est long choix. C'est pas un démon. À partir d'aujourd'hui, je serai une meilleure chante. On peut acclamer la grâce de Dieu. Amen. Et je vais prendre les riches, il faut
soit choqué, tu choques. Tu es tombé sur l'enchaînement. C'est comme ça que c'est passé, il dit, tu chantes bien. Mais aie confiance en toi. En plus, tu ne penses pas, il faut avoir confiance en toi. Il faut avoir confiance en toi. Même à l'examen, il faut avoir confiance. Tu peux avoir du talent. Si tu n'as pas confiance en toi, tu perds la bouchotte, je perds le dire. Et ça, c'est pas bon. Amen. Il faut avoir la confiance, amen. Et donc, l'onction fraîche, moi, ah, il dit, ok. Ah, la petite là, il faut une dose de l'onction. Ça veut dire que ça va changer aujourd'hui, dis amen. Oui, amen. Jean-Baptiste était dans les difficultés. Il vivait tellement les difficultés qu'il était en prison.
Il envoie ses disciples. Il envoie ses disciples vers Jésus-Christ. Et Jésus répond, voici la réponse de Jésus-Christ face aux disciples de Jean-Baptiste. Il dit, allez raconter à Jean-Baptiste ce que vous-même vous voyez. Alléluia. C'était une réponse puissante. Les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Les lépreux sont purifiés. Et la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Alléluia. C'est ce qui caractérise Christ. Guérison, miracle, restauration et bonne nouvelle. Amen. Amen. On ne peut pas dissocier les deux. Je dis non, on n'a pas compris pour les malades. Jésus dit à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Avait saisi. Alléluia. Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc l'évangile s'accompagne avec les miracles. Amen. Les miracles doivent accompagner l'évangile de nos prêches. Les gens disent, non, mais dans ces derniers temps, les gens voient trop, ils voient, mais Dieu voit. Il dit, invoque-moi, je t'exaucerai. Je t'annoncerai des grandes choses. Les gens cachés. Et que tu ne connais pas. Amen. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas au stade d'un truc stérile. Vous savez, c'est pourquoi Jésus gagnait marqué son époque à cause des signes. Sinon, l'enseignement était là. Dans la synagogue, les gens prêchaient. Mais Jésus m'a apporté une réponse dans leur système. Les signes accompagnaient le ministère de Jésus. Qui pouvait, qui attestait que Dieu est avec nous. Les gens n'avaient jamais vu quelqu'un prêcher comme ça. Parce qu'il prêche même les démons. Sont sur lui. Alléluia. Amen. Et sans faire, si tu veux prêcher l'évangile, il faut que les signes t'accompagnent. Amen. Nous sommes dans le même monde où les gens ont besoin d'être heureux. Qu'est-ce que prouve que ton Dieu est vivant? Qu'est-ce que tu veux? Amen. Il est vivant comment? Non, il est bien bientôt. Mais comment est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est d'abord vivant pour qu'on croit qu'il est bien? Amen. L'humanité est dans un sens de doute. Les gens ne croient pas. Il y a des gens qui ne savent même pas que Dieu existe. Ils ne croient même pas que Dieu existe. Que Dieu existe. Qu'est-ce que tu prouves que Dieu, ce que tu dis est vrai? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ma parole ne se reposait pas sur des discours pécheresses de la vie, mais dans une démonstration de puissance. En fait, que votre foi ne se repose pas si les gens vous voyez, mais si Dieu. Frère, quand Dieu, tu vois le miracle de Dieu, ça t'amène à la conversion. L'apôtre Paul ne croyait pas. Le jour où il a rencontré Jésus, tu la robe est d'Aras, ça a créé une conversion dans mon monde. Je dis quoi? Je dis, je suis pas là, les ministères, frère. C'est ça que l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne les dons spirituels, ne soyez pas dans l'ignorance. Parce qu'à Dieu, au corps de Christ, Dieu a donné des dons. Dieu a donné des dons. C'est pour ça qu'il faut prier pour que Dieu te donne des dons. Amen. Est-ce qu'on va se désaisir? Amen. Que Dieu te parle. Dis à quelqu'un, il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te parle. Amen. Les gens qui vont dans la vie, c'est les démons qui les accèdent dans le rêve. Ils voient rien, ils se débouchent pas. Ils tapent son nom dans le rêve. Tu es sorti ou bien? Si tu as le Saint-Esprit, tu vas te parler. Amen. Amen. Moi, c'est les montagnes qui te parlent. Tu vois seulement Kabi. Nous tombons en train de te poursuivre avec. C'est quelque chose. Ton sommeil doit être une révélation de Dieu. Un contact, une connexion avec Dieu. Amen. Dieu doit te donner une réponse à tes inquiétudes. Tu es dans une inquiétude, Dieu doit te répondre. Dieu, il doit te répondre dans cette situation. Amen. Nous sommes dans un monde physique où le spirituel commande le physique. Amen. Alors, et nous avons Dieu le Très-Haut. Que tu as dans ta vie, il ne doit pas être silencieux face à cette situation, face à ta vie. C'est pour cela que nous nous rencontrerons pas mal de difficultés. Mais la réponse de Dieu augmente la foi. Amen. Amen. Quand Dieu quelque chose, ça augmente ta foi. Amen. Quand Dieu est silencieux, si vous pouvez parler à Dieu, parlez-lui comme ça. Vous lui dites, ton silence me tue. Ton silence me tue. Dis ça à Dieu. Ça, c'est un truc qui décroche la main des gens. Amen. Ça vous prie.
prier. Quand vous voyez qu'il a prié, mettez-moi je vous dis, levez-vous, vous dites ton silence, ça me tue. Amen. Ah oui. Parce que le silence de Dieu tue. Plus Dieu agit dans ta vie, plus il a peur du mal. Amen. Pour ça, il faut que Dieu se manifeste dans notre vie. Il faut qu'il soit puissant dans notre vie. Amen. Et qu'il soit rien dans notre vie. Amen. Il faut que tu parles. Tout ça, il faut créer ce contact, frère. Il faut se séparer de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Un moment de ta vie, il faut commencer à te dire, Seigneur, et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Et Dieu nous aime. Amen. Dieu ne prend pas les justes, il prend les pécheurs comme toi et moi. Amen. Il n'a jamais fait des filles, il dit, il est venu pour des pécheurs, pour te transformer. Quelqu'un pose la question, si je pourrais t'aider ici, ça veut dire l'aide de Dieu qu'on vit la vie chrétienne. Sans lui, il n'y a pas de vie chrétienne. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Il y a quelqu'un, tu as béni, il y a quelqu'un. Amen. Ça va? Alléluia, ça va? Amen. Nous devons grandir à maturité. Il faut grandir à maturité. Allez, mon frère, tu seras face à son destin. Même un prophète ne pourra rien. Vous avez bien, hein? Parce que Dieu est vrai que tu passes une expérience personnelle avec lui. Amen. Si Dieu veut aller loin avec toi, il y a une expérience personnelle qui te fera avec lui. Amen. Est-ce qu'on va laisser ça? Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Dis amen. Gloire à Dieu. Il te demande est-ce que le ciel existe. Vas-y, paradis, là, c'est vrai. Ben. Après de l'enfer, paradis, vas-y, c'est vrai. Mais quand tu vois la manifestation de la puissance de Dieu, toi, tu commences à critiquer, tu commences à marcher selon Dieu. C'est ça qu'il faut que Dieu nous visite. Amen. Faut pas être ça et là. Faut pas être là, là, ça et là. Faut marcher selon les principes de Dieu. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Nous sommes dans un monde méchant. Jésus dit, nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Or, le monde est caractérisé par la méchanceté et par les yeux du diable. Parce que le diable est le prince de ce monde. C'est pour ça qu'il faut que Dieu agisse pleinement dans notre vie. Amen. Et dans cette capacité d'entendre des choses que d'autres personnes n'entendent pas. Et de voir ce qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'il y a un aveugle et pas conduit des aveugles. Ils tomberont tous deux dans le même fossé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. On a besoin de voir spirituellement. Donc, disons, les dons, c'est pas la peine. Pourquoi les gens disent, papa, papa, frère, il ne faut pas maîtriser les dons spirituels. L'église primitive, après Jésus, s'est basée sur l'onction pour battre jusqu'à nous. C'est l'onction. Le premier jour où le Saint-Esprit est descendu, c'est les dons. Et quand l'apôtre Paul a bien commencé à prêcher à cause d'une manifestation du Saint-Esprit. Parce que c'est ce qui interpelle les gens. Les gens en parlent en quelle langue? On les entend parler dans d'autres langues. D'autres sont en train de parler dans d'autres langues. C'est bizarre, ils sont en train de parler sur ce sujet-là. On les a approchés. Et c'est l'apôtre Pierre a commencé. Pour la première fois qu'il avait régné Jésus, il va parler à une assemblée des milliers de personnes. Quand le Saint-Esprit en toi, il brise la peur. Amen. 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 Il impose son autorité. Parce que la l'onction qui est en toi, c'est une force. Quand il dit je me donne mon pouvoir, c'est une force. Amen. Pour imposer l'autorité de Dieu à que ce soit à l'école, que ce soit dans ton service, que ce soit partout dans ton quartier, tu es l'ambassadeur de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu démontres la puissance de Dieu. À un moment donné, papa me regarde, papa, le voisin est tombé. Et pourquoi? C'est ton voisin.
Tu es d'abord porteur de l'évangile dans le quartier. Tu es le témoin de Jésus. Attaque. Amen. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. On m'a bien saisi? Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Une seule autorité. On ne peut pas devenir chrétien sans attaque, c'est un étissement. Papa, je suis attaqué. Je suis content parce que ta destinée est glorieuse. Amen. Plus tu es attaqué, plus le diable sait ce que tu lui présentes. Amen. Et quand nous sommes fous de celui qui est aimé de nous. Celui qui est riche dans un quartier est pauvre, il serait la compagnie de tous les bandits du quartier. N'est-ce pas? Chacun va vouloir peut sortir sa logique pour aller voir ce qui est dedans. N'est-ce pas? Le diable essaye de combattre, il t'envie. C'est pour ça qu'il ne remet jamais en doute ton salut. Les attaques n'ont des débats qui ne t'ont pas sauvé. Les attaques divines ne veulent pas dire qu'il ne t'a pas sauvé. Au contraire, ça démontre qui tu es pour Dieu. Hein? J'ai déjà mis la maman. Ah oui, c'est ce que le diable, c'est le souhait du diable que tu abandonnes, mon frère. Le souhait du diable que tu abandonnes. Parce que le chemin que tu es en train d'emprunter, ça te conduit tout droit au bas. Le diable n'a pas de vie. C'est lui, il n'a plus de ciel. C'est fini. Il n'y a pas de ciel avec le diable. Amen. Il est déjà également condamné. Amen. Qui a quelqu'un qui le salue? Moi-même, bien, parce qu'il y a progrès, je vais vous placer sur son nom. Qui dit bien quelqu'un, est-ce que toi tu iras au ciel? Parce qu'il y a progrès, je vais vous dire là. Merci moi-même, quand même, ça arrive, c'est pour moi. Parce qu'il y a progrès, je vais vous dire, c'est pour moi. Amen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les jeux, avec les pères chauds de psychologie. Tu es sauvé par pure grâce. Ce n'est pas pour tant faire les il faut comprendre que c'est sauvé par tes grâces. Ce n'est pas la grâce que je suis sauvé. Donc, prends ton sérieux. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. A dit Jésus, plus que moi qui vous a choisi. C'est une sélection. C'est ça que tu te mets dans la présence de Dieu, glorifie-le. Amen. Les gens sont destinés à l'enfer, ils croient même en Dieu. Ils sont prédestinés à l'enfer. Toi, tu as assis dans une église, tu lis la Bible, tu pries. Crois à Dieu. Encore c'est qui est quelqu'un, il dit, parmi les appelés, il y a peu de lui, ça devient qu'il n'y a pas. Il faut que les bâtons soient bien saisis. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. On va bien saisir. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous basez pas sur vos chutes, ne vous basez pas sur les erreurs passées, ne vous basez pas ça pour douter de votre salut. Dieu sait, il vous appelle tel que vous êtes, il connaît vos faiblesses, il connaît aussi vos qualités. Amen. 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 Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Tu peux mal démarrer et puis bien finir. Amen. Généralement, ceux qui démarrent mal finissent bien. Amen. Si j'ai une expérience. Amen. Amen. Vous savez, celui qui commence, qui fait l'examen, vous savez, celui qui gagne, celui qui va et qui échoue, et par rapport à celui qui a gagné, celui qui vient de jouer, il va beaucoup réfléchir. Qu'est-ce qui a fait qu'il a joué? Il a gagné à l'expérience. L'autre, il gagne à l'argent. C'est tout. Pour que Dieu, à côté que tu puisses aller très loin avec Dieu, Dieu va te faire jouer par moi. Il va te faire jouer par moi. Pour gagner en maturité, en expérience. Pour ça, dit Jésus, dès qu'il est né, il n'a pas commencé le ministère. Il a attendu l'âge de 30 ans, qui est l'âge de la maturité. Dieu te bénit en fonction de la maturité acquise dans les expériences de la vie. Amen. Plus tu es attaqué, tu as quelle expérience. Plus arrive. Il va forger ton mental. Tu rencontreras les choses les plus terribles. Tu seras même dérouté. Amen. Et j'ai dit, ah non, j'ai quitté l'église. Parce que les gens, là, frère, ceux qui quittent l'église à cause des gens, c'est que tu n'es pas venu à cause de Jésus. Amen. Je suis déçu. Entre l'église et le monde, qui déçoit? Le monde déçoit plus que l'église. Non, il est dans le monde. C'est le monde même qui déçoit plus qu'il existe. Ici, ce sont les hommes que vous allez trouver. C'est, non, ce ne sont pas les hommes. C'est les hommes que vous trouvez ici. Alors, il faut venir pour Christ. Pour rencontrer Jésus. Non, si c'est ça, il m'en est. Frère, c'est que tu l'as envie de partir. Ouh, ouh.
il va te manger. Elle a sauvegraine. Amen. Va me laver du blé déjà. Tu vas bien comprendre. Vous mettez pas là, la sauce pas là, elle matin. Voilà là, elle place. Voilà là, c'est la plante des neiges chez un congolais. Voilà là, une seule feuille, verte, façon, c'est bouillant. C'est bouillant comme ça. Quand tu manges ça, tu réfléchis, ça va dans ton bout là, on va prendre. Il dit, bon, maintenant c'est fini. Oui, c'est fini, mon frère. Ça se dépêche, c'est pas comme le riz. Le riz, t'as besoin de marcher. Papa, tu abats son. En 5 minutes, c'est fini. 5 minutes, oui, c'est fini. Oui, c'est comme ça. Demandez à ceux qui m'aiment, pas. J'ai l'air, blé, pas. Blé, pas. Blé, c'est la sauce, mon gars. Blé, puis à bas. Faut les demander. Comment il passe ça? Dis ça comme ça, prenez et puis là-bas. Ça va, c'est les gens, c'est sûr. Sois béni. Lui et moi, dans le même club, lui et moi, le riz comme moi. Dis à quelqu'un, tu es béni, dis à quelqu'un, tu es béni. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Alléluia, nous sommes bénis. Les difficultés de la vie nous approchent de Dieu. Les difficultés de la vie ne doivent pas te poigner du Seigneur. Nous sommes dans ce monde, nous allons rencontrer les difficultés. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Allez, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais commencer par prier. Je vais le pasteur Ananias d'approcher. Amen. Rapidement que Dieu fortifie chacun d'entre nous. Amen. Et qu'il nous bénisse, qu'il renouvelle en nous l'onction. Et qu'il nous bénisse dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Parce qu'on a dit. Alors, 2 Timothée, nous allons aller dans 2 Timothée, le chapitre 4. Amen. 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 Quels sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel? Tout le monde. Non, maman parle pour toi seul. Chacun n'a qu'à parler pour lui seul. Le salut est personnel. Amen. C'est pas collectif. Même si on est ensemble, chacun connaît son cœur. Amen. Amen. Je vais voir ceux qui ont accepté Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Je sens pas la vie dans ce que vous faites. J'ai l'impression que vous avez Amen. 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 Est-ce que vous savez ce que ça signifie accepter Christ comme sauveur et Seigneur? Est-ce qu'on sait un peu ce que ça signifie? Ah, vous voyez, voici la question. J'ai posé la question tout à l'heure. Quels sont ceux qui ont accepté toute la salle pratiquement comme Jésus? Je réponds. Quels sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel? Tu vois toute la salle. Regarde les vampires. Ah, ce qui est fait hier, merci Jésus-Christ, mon Seigneur, Seigneur personnel. Ce qui est fait hier, merci Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Accepter Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Oui. Ah, bien. Je vais bien répondre à cette question. Vous savez du quoi? Le baptême, c'est pas ce qui sauve. Amen. Non. De la foi. Non. Il y a deux choses que nous devons souligner. Accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Personnel. Sauveur, c'est celui qui te sauve. Dis amen. Amen. Celui qui t'accorde le salut. Amen, papa. Bonjour, papa. Ah, je n'ai pas vu, mais on va continuer. Sauveur, parce que c'est lui qui sauve ton âme. Quand tu l'acceptes, il sauve ton âme. Amen. Il pardonne tes péchés. Amen. Il te donne la grâce Amen. D'oublier tout ton passé. Amen. Il inscrit ton nom dans le livre des vies. Dis Amen. Il inscrit ton nom.
le maître de ta vie. C'est là la question. Ah oui, on aimerait que Jésus-Christ soit mon sauveur. Et Seigneur, personne, Seigneur, sauveur, on le sauve, on croit en lui. On sait que Jésus est le sauveur de l'humanité. Sans lui, c'est l'enfer. On croit en Jésus, on croit en lui. Mais est-ce qu'il est le maître de notre vie? Vous avez été dit, parce que nous ne pouvons pas prendre une décision qui n'en a pas Dieu, en fait. C'est ce que Jésus-Christ disait. Il a dit dans sa parole, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à sa vie. Amen. Et en renonçant de soi. Amen. Vous ne vivez plus pour vous, vous vivez pour le Christ. Amen. Je n'entends pas les amens. Amen. Vous ne vivez plus pour vous. Vous ne vivez plus pour vous. C'est ce que la Bible dit. Je suis la propre, je suis imitateur de Christ. Nous devons vivre pour Christ. Il y a des gens qui prennent des décisions, ne consultent pas Dieu. Il veut faire une chose, il ne consulte pas Dieu. C'est ça qui casse le nez, qu'ils ont l'impression à arrêter de prier. Jésus a dit dans sa parole, il dit, si cette coupe pourrait se marier de moi, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Celui qui est à Jésus-Christ comme son Seigneur, il cherche toujours la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. Qu'est-ce qui honore Dieu? Et on se investit dedans. Beaucoup sont stars du Sauveur. Ils viennent dans l'église, on chante à la gloire de Dieu. On est content, on chante. Mais ils n'ont pas Christ comme Sauveur, un Seigneur. Sauf ça qu'ils ne voyaient pas la manifestation de Dieu. Ils ont besoin de Dieu, l'intervention de Dieu. Mais ils ne veulent pas que Dieu dirige leur vie. Non, c'est non. Ils sont les mêmes gens, mais de leur propre décision. Non, ils ne veulent pas que Christ dirige leur vie. Amen. Amen. Si vous voulez voir Dieu à eux, sous Christ à eux, donnez-lui votre cœur. Le jour où il est dans le maire de votre cœur, le sens de toute décision, vous allez le voir s'investir dans votre vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous avons parlé de l'autel, on a compris que dans l'histoire de l'autel, il fallait s'offrir comme sacrifice sur l'autel. En sacrifice vivant sur l'autel. Parce que le thème n'est jamais libre, il faut changer de l'autorce. Et que d'abord, quand vous avez dit dans vos mains, j'appelle tout, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Combien sont ceux qui ont annoncé l'évangile au cours de cette semaine? Il y en a combien? Je n'ai pas dit à quelqu'un cette semaine, je dis que si tu meurs, tu vas en faire. Qui l'a fait? Moi. La personne qui a coupé la voix dimanche prochain. Amen. Il faut envoyer. Amen. Il faut savoir si elles sont à ta collègue. Qui l'a fait? Amen. Le prêtre d'ici, c'est celui qui a annoncé l'évangile. Alors vous savez que quand vous n'annoncez pas l'évangile de Jésus, vous êtes responsable du sang des personnes que vous dépassez. Amen. Je vais vous choquer ce matin. Ah, Jésus est bon. Amen. C'est ça? Amen. Vous ne partagez pas. On dit, j'aime là ton prochain corps. Ah, tu t'aimes, non? Tu ne veux pas l'enfer. Alors, ton voisin n'a qu'à l'enfer. Ton collègue n'a qu'à l'enfer. Vous voyez un peu de méchanceté dans son frère. Après, même sur Facebook, même on parle de Dieu. C'est ça aussi le problème. Quand tu vois les publications de d'autres personnes, tu te poses la question s'ils sont normalement chrétiens. Tu ne vis plus pour toi. Il y a quelqu'un qui ne vit plus pour toi. Tu ne vis plus pour toi. Ah oui. Amen. Mais c'est la vérité. Ne soyez pas des religieux. Non, des religieux, quand on vient à l'église, c'est fini, il n'y a pas l'église, c'est fini. En dehors de l'église, on fait ce qu'on veut. Non, la vérité, c'est une vie. Quelle vérité, c'est une vie. C'est une vie. Le chrétien, c'est une vie. C'est une vie. C'est un comportement. On doit vivre ça, jamais. Ton comportement doit évangéliser. Amen. Quelqu'un qui va sur ton mur, il doit s'en aller lui là. Vous voyez les musulmans? Les musulmans jouent pas, c'est nous, on joue avec nos trucs là. C'est pas là? Amen. Nous, on joue tout avec nous là. Même pour prier, on a peur. Tu es ton voisin, ton collègue, tu l'invites à un restaurant, tu ne pries pas. Le peuple te dit, ah, toi, tu es chrétien.
Mais si c'est ce qui fait que tu as des plus. Amen. Les musulmans ont un écrit. Ils ont toujours les versets coraniques dans leur lit. Tu vas sur leur mur, tu vas voir ça. Tu vas être carrément là, ça va. Nous les chrétiens, même notre Facebook, appelle au bas de Jésus. Amen. On fait la publication des choses modernes, on parle de Jésus, tout ça. Quel est le Jésus? Le disciple est celui qui vit selon le maître, l'enseignement du maître. Jésus a dit, allez faire les nations des disciples. Disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Et quelqu'un qui est disciple, c'est celui qui suit l'enseignement du maître. Et qui obéit aux ordres du maître. Si Jésus est ton Seigneur, effectivement, ton Seigneur, pour une interrogation. Ah, j'ai toutes les difficultés, j'ai l'impression que Dieu ne voit pas. Est-ce que tu peux faire ce que Dieu veut? Pose la question à quelqu'un pour te prêter. Ou seul. Tu fais ce que Dieu veut, dis à quelqu'un ce qui fait ce que Dieu veut. Non, mais pourquoi là? Ton cœur va te répondre seul. Ton cœur te répond seul. Ça, le cœur répond seul à quelqu'un. Amen. Amen. Vous avez dit, mais c'est difficile. Rien n'est pas si certain, il y a toujours un prix à payer. Pour sauver l'humanité, il s'appelle le prix à donner de sa vie. Pourquoi tu ne donneras pas ta vie pour la cause de Christ? Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'il vit en moi? Il y a quelqu'un, est-ce que Christ vit en moi? Mais c'est une question. Tu as demandé tout de suite la question. Qui est chrétien? Tout le monde va me dire Amen. Oh, chrétien veut dire petit Christ. Mais Jésus n'a jamais dit chrétien, il a dit disciple. Jésus l'appelle disciple. Non. Chrétien, c'est un terme de guérir en Antioche. Dans l'acte des apôtres, voici les chrétiens, voici ceux qui. Voici les chrétiens là. C'est un terme de guérir. Aujourd'hui, on a pris ça comme une identité, on s'est collé cette image, ce nom-là. Mais en temps normal, c'est disciple. Amen. Qui veut dire discipliné. Et quelqu'un qui vit selon l'enseignement du maître. Toi qui vis selon l'enseignement du maître, la chose que le chrétien doit faire tous les jours, c'est d'annoncer Jésus-Christ comme sauveur. Amen. Si nous annonçons Jésus-Christ comme sauveur, cette salle-là, elle sera toujours remplie. Amen, 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 amen. Amen. Annoncer Jésus, c'est la couronne dans le ciel. Amen. Les gens sont assis sur les tables, sur les tables. Il ne faut pas venir chez moi. Et ne sois pas là-bas quelqu'un. Le ciel va aller se reposer. Il y a des gens qui sont dans les cieux et tabourés, bizarres. Vous savez pas que quand vous annoncez l'évangile, les gens que vous gagnez à Christ, ce sont vos couronnes dans le ciel. Amen. Est-ce que vous ne savez pas? Amen. C'est votre récompense dans le ciel. Et la Bible dit, quand un pécheur se répond, le ciel est dans la joie. C'est-à-dire quand tu amènes quelqu'un à Christ, le ciel est dans la joie. Quand le ciel est dans la joie, quand quelqu'un comprend le qu'est-ce qu'il fait? Il te dit. Amen. C'est ça que vous direz, vous battre, c'est pour ça. La bénédiction, c'est vite. Elle c'est vite. Vous venez ne passez pas à Jésus. Ah, je suis malade complètement. Je vais me dégager, il va te guérir pour là. Bon, il te guérit pour quoi? Parce que toi, maintenant, il te regarde, tu ne prends pas dans sa volonté. Donc à un moment, tu deviens un anti-miracle. Il y a des gens qui deviennent anti-miracle. Quand tu pries, tu n'as plus miracle. Quand tu pries, le miracle, ça retourne. Ouais, c'est comme qu'il va te frapper par le vide. Bah, le miracle est là, mais ça fait quand ça retourne. Et toi, tu es étonné, mais elle est toute ta foi, tu pries, Seigneur, guéris-le, délivre-le, délivre-le, sors démon. Et puis le démon, il dit, il sort pas, il est là. Il est là, il est là. Toi-même, tu dis parfois. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un petit miracle. Miracle rempli chez lui. C'est biblique. Avec cet exemple, c'est biblique. Il y a une fille où Jésus a mouru. Jésus donc, il a sorti cette personne de la vie pour prier pour lui. Pourquoi? Parce que la vie, là, elle ne pouvait plus recevoir des miracles. Quand vous ne faites plus la volonté de Dieu, votre vie devient un miracle. Amen. C'est pour ça que quand vous vous levez matin, réfléchissez sur votre vie.
C'est brûlant, c'est comme ça. Nous ne vivons plus pour nous. C'est ça que Jésus-Christ est Seigneur. Vous comprenez? Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a saisi? Amen. Ne venez pas comme moi comme ça, vous chantez la bonne. Vous allez retrouver l'église dimanche. Vous allez retrouver. Non. La vie chrétienne, c'est un comportement, c'est une vie de chaque jour. Amen. Vous avez saisi? Amen. Sinon, ensuite, le nom, là, tout le monde, il dit, Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu. Nous les verrons que tout le monde, mais les gens, ils viennent s'arrêter. L'aspect appel. Il faut que le peuple fasse partie des élus de Dieu. Il y a un prix à payer, qui est la sanctification. Amen. C'est de faire ce que Dieu veut. Mettre à bouche au service de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous. Vous savez, je vous dis une chose. Dieu choisit les gens qu'il appelle hommes de Dieu ou femmes de Dieu. Moi, je crois au ministère des femmes. Amen. Voilà, quand quelqu'un dit non, moi, je crois au ministère des femmes. Je sais que Dieu peut utiliser une femme à une grande dimension. Dieu peut utiliser une femme pour évangéliser. Dieu peut utiliser une femme pour prophétiser. Moi, je crois à ça. Moi, je crois à ça. Parce que la première personne qui a annoncé l'évangile sont les femmes. Amen. Nous, les hommes, on avait peur, on était cachés là-bas. Pierre même était caché dans la broussaille. Il respirait tout. La dame lui dit, ça va, monsieur? C'est vous, Pierre? Vécu, tu m'as dit, sorcier, le feu chez toi, le feu. Voici à la mort. Ils ont arrêté le maître. Il trouve, il met le feu sur la tête. Tu es une sorcière, oui, la mienne, elle est papato aussi. Sa bouche, elle est papato. Elle a dénoncé Pierre. Toi, tu t'as fumé devant tout le monde. Maintenant, même le danger, le maître a attrapé, tu le ruines. Amen. Donc, lui, respirer dans la piste, il calculait comment il allait faire pour fuir. Les femmes, elles allaient toujours au tombeau de Jésus. Ce sont elles qui ont annoncé la résurrection de Jésus. Alléluia. Moi, je crois au ministère des femmes. Ne vous ne vous estimez pas. Investissez-vous dans le feu de Dieu. Au lieu de papatoyer avec ton corps, que vos bouches deviennent, n'est-ce pas, un instrument d'évangélisation. Amen. Vas-y, papa, vous aimez ça aussi, hein? Amen. Papa, tout encore, tu vois, c'est quelqu'un qui parle trop, papa. Tu mets sa bouche partout. Les Ivoiriens, ça papa, tout, la mère, la compris. Papa, tout, c'est quelqu'un qui met sa bouche partout. La personne sait tout. Elle sait tout. Affairage. Point corps. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. 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 On dit amen. Amen. Les femmes de Dieu et les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les servantes et les serviteurs de Dieu. Deux choses différentes. Qu'on est homme de Dieu, qu'on est femme de Dieu, c'est qu'on a reçu la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est qu'on a reçu la paix. Amen. Et on a une histoire de Dieu par rapport à notre paix. Ok. Et nous aurions, en nous donnant une vision pour aller faire telle chose. Mais toi, qui viens de l'accepter comme sauveur du Seigneur, tu es serviteur de Dieu. Amen. Et tu dois mettre ton talent à son service. C'est ce qu'il sait faire. Même à son service. Tout ça qui ne soit pas voici par l'Église. Moi, ton utilité à l'Église. Amen. Est-ce qu'on dit amen? Amen. Mais moi, ton utilité. Il y a des gens qui sont là pour arranger une chaise, qui pensent que c'est la fin d'un diable. Il y a des gens qui viennent plus loin pour s'investir, ils ont peur. Alors, Dieu m'a mis à cœur, après avoir parlé de trucs, il faut que chacun d'entre nous devienne utile dans cette œuvre de Dieu. Dis amen. 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 Dis à quelqu'un, montre ton utilité à Dieu. Montre ton utilité à Dieu. Amen. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, montrez-vous, démontrez votre utilité. Amen. Ah non, c'est lui seul qui doit vous bénir. Vous ne pouvez pas le bénir. Quand il dit Seigneur, je te bénis, ça veut dire quoi? Ça veut dire,
Je veux te voir avancer, des choses avancer. Amen. Dieu compte sur toi pour faire avancer son règne. Amen. Vous m'avez saisi? Amen. Plus je fais l'œuvre de Dieu, plus je bénis le Seigneur. On m'a dit, c'est Amen. Vous voulez faire la volonté de Dieu? Amen. Hein? Mettez-moi son service. Investissez-vous. Ou même vous pouvez poser la question, mes frères, comment on fait pour intégrer la mission? Comment on fait pour être ici? Comment on fait? C'est-à-dire, vous devez être dedans. Vous devez vous mettre dedans. Il y a quelqu'un, même toi dedans, même pas l'enfer de Dieu. Vous venez sur moi, ça fait les prières. Dans les prières, mon pied, les soucis prennent mes pieds. On met les pieds. Après, c'est un pas. Mais mon frère, si tes pieds ne sont pas pour l'œuvre de Dieu, il va envoyer ça au pied d'époque. Avec ta télé. Amen. Mais le jour où tes pieds seront utiles pour l'évangile, Dieu va empêcher le diable d'attaquer tes pieds. Amen. Quatre types de collaborateurs. Amen. Quatre types.
type de collaborateur. Dis amen. Amen. Vous savez, dans un ministère, il y a deux choses. Ou tu reçois le manteau, n'est-ce pas? De la même manière que Élisée va travailler avec Élie. Élisée a reçu le manteau d'Élie. Il a fait deux fois plus qu'Élie. Élie a fait combien de miracles? Quand vous étudiez la vie d'Élie dans la parole de Dieu, il a fait combien de miracles? Hein? Non. Il a fait combien de miracles? Je vais dire ceci. Élie a fait combien de miracles? Élie a fait combien de miracles jusqu'à ça? Quand vous regardez, selon les Écritures, hein? Il dit un. Élie a fait combien de miracles? Il dit deux. Élie a fait combien de miracles? Sept. Ok. Élisée a fait combien de miracles? Du vivant d'Élisée a fait combien de miracles? 14. Hein? 14. Hein? Tiens que Élie a parlé. Tiens que Élie a parlé. Bon, la Bible vous a appelé là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez? C'est un chiffon ou bien. Il y a des gens qui aiment la Bible, commencent à dormir. Il y a un frère qui est, je disais, quand il prend la Bible, quand il prend la Bible, on dirait son. On dit Jérémie a dit, il est dort, il est 4 heures du matin. Non, Jérémie a dit, mais j'étais ressuscité jusqu'à 4 heures du matin. J'ai dit, mon fils, t'as besoin de délivrance. Amen. Alléluia. Oh, la parole de Dieu est esprit et vie. Esprit et vie. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Si vous ne vous alimentez pas spirituellement avec la parole de Dieu, amen, vous devenez vulnérable à toute son attaque. Amen. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours dire la parole de Dieu. Amen. Que je dis, ne s'éloigne pas de ta bouche. A dit la parole de Dieu. Amen. Dans Jésus, chapitre 1, verset 8, est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Élisée en a fait 13 miracles. 13. Mais ce qui va épater les gens, c'est que dans le tombeau d'Élisée, ils ont envoyé un cadavre. Ça a touché les vaisseaux d'Élisée et le mort s'est réveillé, ça fait 14 miracles. Donc il a fait plus que son père. Dis amen, n'a pas parlé de ça. Ceci fait les 14, plus que lui. Donc il a fait plus que son père. Donc il a reçu effectivement le manteau. Et quand tu reçois le manteau, vous savez, quand vous allez travailler près d'un serviteur de Dieu, amen, vous recevez le manteau. Ou bien, vous recevez la lettre. C'est les deux choses. Par contre, Élisée a eu un serviteur du nom de Géasi. Géasi était un serviteur d'Élisée. Amen. Vous connaissez la vie de Laban, pour ceux qui. Laban. Laban. Ouais, ceux qui connaissent la Bible, tout ça. Le gars, il vient, tout ça, il est peu. Il vient se faire délivrer par l'homme de Dieu. Il dit par l'intermédiaire de Géasi. Va et dit avant de plonger 7 fois dans le Jourdain. Il a plongé 7 fois dans le Jourdain, il a été guéri. Et il a envoyé tous les 8 jours. Et il dit non, je ne prends pas. C'est une définition. Parce que c'est un peuple, n'est-ce pas, qui n'était pas un peuple hébreu. Amen. Donc il ne pouvait pas toucher, n'est-ce pas, des biens que l'autre avait envoyé. Parce que c'est un militaire. Amen. Amen. Voilà. Ce qu'il avait certainement comme richesse, c'était de voir les trucs comme ça. Il ne voulait pas se souvenir de tout ça. Ce n'est pas du tout, il n'est pas l'argent. J'aimerais bien saisir. Non. Ces richesses, ça ne s'est pas trop pu. Donc, il ne voulait pas toucher à ça. Et donc, quand Naaman a vu ça, et bien, ainsi, il a vu ça. Hein? C'est tout cela qui s'est parti en Syrie. Il a suivi tranquillement. Il dit, mon maître, il a réfléchi jusqu'à moi. Il dit, il a fait. Mon père, il a réfléchi. Il a réfléchi à moi dormir. Il a réfléchi quand il dit de donner. Et c'est par l'éternel. Le gars a donné. Il a été miraculeusement guéri. Il a donné. Et lui, malheureusement, c'est ça malheureusement. Il travaillait avec le prophète sans connaître le son prophétique. C'est Élisée. Or, Élisée, c'est un homme qui est parti d'Israël. Il a éparté Israël. C'est-à-dire qu'il pouvait dire les ennemis d'Israël. Ce qui va arriver le lendemain. Il comptait ça. C'est le prophète qui a éparté l'homme d'Israël dans son enchant prophétique.
Amen. Amen. Quand on faisait le miracle. Amen. On dit amen. Amen. Il vient, son maître de scalpe, lui, toi. Lui dit toi, ce qu'il vient de faire maintenant, hein? Ce qu'il vient de faire maintenant, la lettre qui a tapé, qui a frappé Géasi. La, hein? Naaman, ouais, Naaman. Naaman. Naaman, autant. Naaman, cette lettre sera sur toi. Vous comprenez? Au lieu qu'il bénéficie, il cherche l'onction que si vous avez. Quand vous travaillez avec un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, où vous avez la lettre, où vous avez le monde. Amen. C'est les deux choses. Amen. Où c'est la lettre. Au lieu qu'il demande la grâce, heureusement qu'Élisée a demandé l'onction qui était sur la vie d'Élisée. D'Élie plutôt. Il a reçu ça. Mais l'homme qui suivait Élisée à cause du matériel, à cause de sa renommée, il ne bénéficie pas de l'onction. Ce qui tombe sur lui, c'est la lettre que Dieu manège. C'est les deux choses. Quand vous venez servir Dieu dans un ministère, ou c'est le manteau, ou c'est la lettre. Retenez ça. On dit amen. Amen. Retenez ça. Amen. Amen. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train d'enseigner. Nous sommes dans une église, nous sommes dans un ministère, dans une église. Mais c'est très important de savoir les quatre types de collaborateurs. Les quatre types de collaborateurs. On collabore comment? Vous savez, Dieu ne peut te donner une notion qui peut même dépasser celle du leader. Amen. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Il sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Jésus dit, tous ceux qui croiront en moi feront la même chose, ils en feront de plus grands parce que je m'en vais près du Père. Ils en feront de plus parce que je m'en vais près du Père. Amen. Jésus n'a pas dit de faire comme lui, dit de faire plus que lui. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Jésus a dit de faire plus que lui. Voilà, il dit de faire plus que lui. Alors, donc, l'apôtre Paul, vous voyez, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a marqué son époque. Il s'appelait Saul de Tarse. Paul, devenu petit. Or, pour devenir grand, Dieu dit de se faire petit. Comme son nom signifie, c'est ça qu'il faut toujours être soumis. La soumission dans le ministère. La soumission ne veut pas dire l'humiliation. Non. Tu dois être soumis à ton leader parce que tu es soumis à Christ. Tu dois te soumettre à ton leader, peu importe son âge, peu importe sa carrière, peu importe ce qu'il est, à cause de Christ, tu dois te soumettre à lui. Parce qu'on ne voit pas Jésus, on sert Dieu au travers de sa vie. Amen. C'est ça que Élisée était serviteur d'Élie. Élisée était serviteur d'Élie. Les disciples furent serviteurs de Jésus. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul s'adresse à son fils spirituel, qu'on appelle Timothée. Amen. Amen. Or, l'apôtre Paul est celui-là qui a écrit la plupart du Nouveau Testament. La plupart du livre du Nouveau Testament est écrit par l'apôtre Paul. Il a visité beaucoup de pays. On a vu en Corée, on a vu en Galate, on a vu en Éphèse, hein, en Thessalonique, on a vu dans beaucoup de pays. L'apôtre Paul, vous pouvez prendre s'il vous plaît. L'apôtre Paul est celui-là qui a marqué. Amen. Il avait une onction spéciale. L'apôtre Paul pouvait passer comme ça. Son nom pouvait guérir les malades. Amen. Est-ce que vous savez ça ou pas? Amen. Vous savez ça ou pas? Amen. Quelqu'un que le serpent mordu, il a jeté. Le venin était neutralisé dans son corps. Amen. Est-ce que vous savez ça un peu? Il n'y a pas une onction que l'apôtre Paul n'a pas manifestée. Il avait une onction terrible sa vie. Terrible. Or, l'histoire de l'apôtre Paul, son histoire, c'est un persécuteur de l'Église. Il a même assisté à la mort d'Étienne. Ils ont tué un frère devant lui. Ils l'ont tué. Lui veut tuer tous les chrétiens. C'est comme ça que Jésus s'est révélé à Paul sur la route de Damas. Et depuis que l'apôtre Dieu, Jésus-Christ, s'est révélé à Paul,
ça a changé la vie de Paul. Il est devenu l'homme le plus humble. Amen. L'apôtre Paul, tu vois, il était devenu humble. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il est petit. Amen. Il a marqué son époque. Au moment où il écrivait cette lettre, il était quelque part. C'est lui, il est mort. On l'a mis en prison. Ils l'ont ôté sa tête. Il est mort d'une mort tragique à cause de l'évangile. Alors, il était en train d'expliquer à son fils spirituel. Parce que, vous voulez ou pas, dans une église, dans la vie courante, vous aurez ces quatre types de collaborateurs qui seront autour de vous. Alors, c'est pour ça que je vous dis, chacun d'entre vous, vous ne devez pas seulement être des spectateurs à l'église, mais vous devez être des gens actifs dans l'église. Dis amen. Ah oui, il faut participer, il faut s'investir dans l'église. Il y a quelqu'un qui investit quoi dans l'église? Dans l'œuvre. Il y a quelqu'un qui investit quoi dans l'œuvre? Investis quoi? Tu fais quoi pour Dieu, pour qu'il te souvienne de toi? Ézéchias dit, Seigneur, souviens-toi de moi, parce que voici ce qu'il a fait. C'est ce qu'Ézéchias a fait, t'a sauvé. Un seul chien est témoigné, le Seigneur il parle même pas, il dit mange-le. Vous faites sauce à qui? Vous faites même pas son coup dedans. Mangez-le. Il ne paye pas sa vie. Il ne paye pas les offrandes. Il ne touche pas l'église. Il n'évangélise pas. Voilà, prenez pas, allez pas là. Allez, sauce pas là, lui là. Lui là, c'est sauce pas là. Il ne fait pas dire, il ne fait pas offrande, il ne nettoie pas. Ça c'est chose pléba, ça c'est pléba, il ne balaye pas, il n'en a pas la chaise. C'est chose pléba, 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 pléba. Quelle est ton utilité, frère? Tu n'as pas d'utilité dans l'église. Tu es comme ça, on n'est jamais comme ça. Il faut être quand même utile. Vous savez que la oisivité, c'est la chose qui tue le plus. Vous savez, c'est très bien. C'est cette oisivité qui a mené David à tuer. N'est-ce pas, lui? Il n'était pas au front. Quand vous êtes oisif, même dans le Seigneur, ça vous tue spirituellement. Amen. Donc, l'apôtre Paul dit, les gens vont venir, mais il parlait à son fils Timothée, parce que c'était la lettre écrite à Timothée, la deuxième lettre écrite à Timothée. Il dit, regarde ce qui s'est passé dans ma collaboration, dans mon ministère. Parce qu'il dit le chapitre. Oui. Le chapitre 10. Non, il n'y a pas le chapitre. Pardon, pas pour moi, le verset 10. De 2 Timothée, le chapitre 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Amen. L'image de Démas, il dit Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Quand vous regardez Démas, vous voyez Géasi. Il y a des gens qui sont des Démas. Vous savez, la Bible, c'est la loyauté. Amen. Amen. Dans la vie, il y a des gens qui manquent de la loyauté. Qui peut me définir la loyauté, c'est quoi? Qui peut savoir si c'est la loyauté, c'est quoi? Qui me dit la loyauté? Hein? Non. Qui peut me dire la loyauté pour se dire? Hein? Non, c'est pas forcément la loi. N'est jamais abandonné ses conditions. C'est-à-dire des conditions là. C'est-à-dire quand tu as convaincu quelque chose, la personne ne peut te branler. N'est jamais abandonné ses conditions. Il y a des gens qui sont convaincus aujourd'hui, demain ils ne sont pas convaincus. Ils trahissent facilement. Or, il y a des gens qui font les choses convaincus. Frère, quel que soit celui qui viendra dire, il n'abandonne jamais ses conditions. C'est ça la loyauté. La loyauté. Il est loyal, c'est ça. Il faut être loyal. Or, Damas avait commencé avec Paul, et puis à un moment donné de la vie de Paul, il a abandonné Paul dans le ministère. Il y a des gens qui viennent dans le ministère et qui viennent collaborer, et puis à un moment, ils vous abandonnent. Dans les mois les plus tristes de votre vie, dans les mois les plus difficiles, ce sont les Damas qui vous abandonnent. Eux, ils sont des Damas. Il dit Démas plutôt. Démas m'a abandonné. Pour l'amour du monde, ils sont avec vous. Mais tout ce qui leur intéresse, c'est tout ce qui est à côté de vous. Amen. Alléluia.
C'est les gens qui viennent, il ne faut pas avancer. Amen. Non, ils ne vont jamais avancer. Et ils sont là toujours, c'est eux qui disent, ah, je vais dire, c'est eux qui savent toujours. Eux, ils viennent toujours parler des problèmes, ils n'ont jamais eu de solution. C'est tout ce qui est problème là, c'est eux. C'est tous ceux qui sont en fait des critiques. Ils sont eux. Il y a des gens, leur travail dans l'église, c'est affairage.com. Je vous en supplie. Yaya. Pongé. Niamo. Votre site. Yaki. Détruisez votre site affairage.com. Des Teimas. Eux, c'est. Ils ne viennent pas vous faire avancer le de Dieu. C'est les petits à côté qui leur testent. Quand on vient dans l'œuvre de Dieu, on doit s'investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. On doit s'intéresser. On ne doit pas être comme Démas. Où il y a, quand il y a un problème, on fuit. Il dit, Démas m'a abandonné. Ne soyez pas des gens qui sont toujours prêts à vous abandonner. Jésus a connu ça. Même dans votre entourage, vous allez voir. Et quand ça va bien, vous voyez les certaines personnes. Mais quand ça va pas, vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui vont même vous aller vous appeler. Cela, je vous appelle les Démas. Et quand Démas s'en va, il faut le laisser partir. Et les gens ne pourraient jamais guérir Démas. Amen. Vous allez dire, oui, ne coupe pas de lui. Parce que ta destinée n'est pas liée à sa vie. Amen. À un moment de votre vie, Dieu peut-être ne sait pas pourquoi tu l'as fait sortir de ta vie. Amen. Vous comprenez? Parce que moi, si vous continuez, il va pas problème. Sur ce qu'un moment donné de votre vie, vous voyez ce qui vraiment tout à l'heure, il m'a abandonné. Voilà, parce qu'il n'était pas venu vous aider. Il y a des gens qui ne viennent pas dans votre vie pour vous aider. Ils viennent vous détruire. Ça c'est bien, mais ils viennent pour un gain. Cherchez vos contacts. Il y a des gens qui ont vos contacts, vos relations qui les intéressent. Ils se servent de sa Bible. Et puis c'est pour une image. Parce que ça vous aide bien. Hein. Vous avez les prix, ils vous sont amis à vous. C'est les apôtres à côté là, de vos invités là, qui les intéressent. Et puis à un moment donné, ils vous en parlent parce qu'ils sont venus pour quelque chose. Non, elle ne peut pas être loyale. Non, ça n'existe pas dans la loyauté. La loyauté n'est pas dans quelqu'un. Or, quand quelqu'un dit la vérité à toi, c'est qu'il a été convaincu. Quelqu'un qui abandonne, il n'a jamais été loyal. Parce que la loyauté, c'est accrocher, n'est jamais abandonné sa condition. On est convaincu, donc on perd le prix. Et les gens ne sont même pas chrétiens pour affaire des politiques. Ils sont attachés à un politicien. Quand il dit, il peut même te tuer, ça. Tu as parlé de ce politique, il peut te tuer pour ça. Quelque chose qui ne va pas t'amener au ciel. Mais il est loyal, c'est ça. Ça n'a rien à voir la chrétienté. Ça n'a rien à voir la chrétienté, mais il est loyal. Lui, il sait pourquoi il suit. Qu'il s'en soit bien, qu'il s'en soit mauvais, on lui répondit, mais le monsieur que tu suis là, il est pas tué, il dit, je m'en fous. Mais je crois en lui. Je ne suis pas prêt à l'abandonner. On dit qu'il est loyal. C'est la loyauté. Or, il y a des gens qui sont comme des Démas, qui ne sont pas loyaux. Ils vont un jour vous abandonner. Donc ne soyez pas surpris de constater ça dans votre vie. Est-ce qu'on va bien saisir? Il dit, ils m'ont abandonné. Et les gens, ils viennent. Ce n'est pas tous les souris que vous pensez qu'ils sont avec vous. Tous ceux qui sourient avec vous ne croyez pas qu'ils sont avec vous. Amen. Alors si tu crois à ça, détrompe. On dit à quelqu'un, détrompe-toi. Vous me regardez. Détrompe-toi. Ah bonjour mon frère, ma soeur. Si Dieu peut nous montrer les guerres. Sorcellerie en plein jour. Zadimem n'a rien fait. Guetté au village n'a rien fait. Vrai sorcier. Il te salue. Mais ce qu'il pense de toi, c'est grave. Amen. Et ces gens sont prêts à partir. Ils sont toujours prêts à partir. Ils sont bien saisis. Amen. Ne sois pas comme des masques. Ne sois pas comme des filles. Il faut avant toi la loyauté. Frère, ce qu'un homme sait, il le voit, il le mentionnera. J'ai enseigné, c'est pour ça que les frères avaient dit, j'enseigne ce niveau. J'ai dit, il y a des personnes que vous voyez qu'on appelle politiques. Excusez-moi, je vais aborder ça rapidement et puis je vais passer comme ça. Vous connaissez Kadhafi? Hein? Oui. Mohamed Kadhafi, le colonel, père à son âme, n'est-ce pas? Sa mort m'a fait pleurer. C'est vrai que la mort des gens font pleurer, mais sa mort, j'ai pleuré à chaud là.
Parce que comme il est mort d'une mort atroce, et ce monsieur, il avait grand, une vision de l'Afrique pas possible. Les Libyens ne peuvent pas sortir. Mais j'étais mieux le SMIC, excusez-moi, je ne suis pas en train de mal parler. Mais le SMIC, tu es étudiant, tu as maison déjà, et quand tu travailles après, tu payes doucement un peu, tu as une voiture. Ils étaient tellement bien. Mais il n'y a pas comment. Hein? Hein? Émilie, c'est un coup d'État, n'est-ce pas? Lui, il est venu. Comment? Pas un coup d'État. Hein? Ah, vous ne savez pas ça? Mohamed Kadhafi, c'était un militaire, il est venu par un coup d'État. Alors celui qui règne par l'épée, il ira par l'épée, mon frère. Mon frère, tu as le projet de l'Afrique. C'est intéressant. Mais de la manière que tu es venu là, c'est comme ça que tu vas partir. Vous connaissez Thomas Sankara? Ok. Non, c'était d'abord la haute porte là, et celui qui a fait ça pour la façon. Il est venu comment? À un coup d'État. Il est parti par un coup d'État. Alors, tu lis l'histoire de l'Afrique. Donc, hier, dans mon intervention d'hier, j'ai dit, faites attention pour les politiciens. Pour vos ambitions politiques, vous ne réfléchissez pas spirituelles. Le bien que ça vous fait, c'est comme les hôtels qui crieront contre vous demain. Ce que vous avez déposé comme acte, parce que vous avez une conviction, vous avez un plan politique, oui, c'est intéressant, mais tu es venu comment au pouvoir. Amen, amen, amen. C'est pour ça que les blancs ici, à un moment de leur vie, ils ont banni ça de leur truc. On dit la démocratie, la loi des yeux. Amen. Nous, on veut forcément tuer. Or, celui qui règne par l'épée, périra par l'épée. J'ai dit à la question, mon frère, si tu as trahi quelqu'un, tu as cherché à détruire quelqu'un, tôt ou tard, ça va te rattraper dans ta vie. Amen. C'est ce que les gens veulent dire. C'est la loi de la nature. Ça va te rattraper. Et maintenant, qui a commencé à m'enseigner, parce que je suis en train d'étudier la vision de l'Afrique. Pourquoi les gens meurent, les grands chefs d'État, quelle vision? Quand il m'a arrivé, c'est fermé ma bouche. C'est pour ça qu'il faut étudier. Moi, je cherche toujours à comprendre. Ah, vous ne savez pas que Kadhafi est venu par coup d'État? Il est mort par coup d'État. C'est pour ça que, attention au Burkina, vous allez de coup d'État en coup d'État, c'est grave. Et la même chose, la Côte d'Ivoire, parce que Blaise aussi, c'est coup d'État qu'il a mis là. Donc, il a été chassé par coup d'État. Alors attention à ma Côte d'Ivoire. Amen. Attention à la Côte d'Ivoire. Alléluia. À bon entendeur. Attention à la Côte d'Ivoire. Tu peux avoir des armes. Tu peux avoir toutes sortes de choses. Mais frère, le spirituel va te rattraper. Le spirituel va te rattraper un jour. Amen. 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 J'ai peur de l'avenir politique, ma Côte d'Ivoire. Parle à terre, discutez-vous. Discutez plutôt, discutez. Asseyez-vous et discutez. Asseyons-nous et discutez. C'est plus important que de prendre les armes. Si vous prenez les armes, vous allez vous payer ça. C'est des choses qui sont comme des hôtels. J'ai peur aussi de la Centrafrique. C'est pareil. Là où il y a eu des choses, c'est comme ça. On ne tue pas. On ne renverse pas. Le sang versé sur un sort, ce sont des hôtels qui crient contre nous. Amen. Je ne vois pas les parler. Je vois chaque politicien parler. Vous savez, nous les chrétiens, il faut chercher à se cultiver. Chercher à connaître l'histoire et en fonction de ça, prier. Amen. Ne rentrez pas bêtement dans les choses politiques. C'est vrai que même si on est convaincu d'un programme politique, mais souvent, il faut interpeller les gens sur leur position. Il peut y avoir une condition politique, il peut y avoir la condition politique. Mais quand il y a un bain de sang qui se prépare, dites aux gens, attention, tu vas le faire, tu vas réussir ça. Mais tu vas s'arrêter à la traduire. Celui qui va verser le sang, il va payer. Amen. Alléluia. Les gens ont indiqué ces signes. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils n'évoluent pas? Mais chez nous, il y a toujours ça.
siècle à la Chinoise. Attention. On ne veut plus des guerres en Afrique. Nous réfugions ça. Non. Si on se régnait par l'épée, vous allez périr par l'épée. Pour vous dire, il y a une loi toujours. Si tu trahis quelqu'un, même si tu as des bons projets, mais demain on te renverser. Il voit les débats dans votre vie. Ils viendront tous ces gens-là. Mais ils vont manquer de loyauté. Mais tous ces gens vont fuir. Ils vont vous abandonner. Ils vont vous abandonner. Ah, les gens ne savaient pas ce que j'en ai dit. Quand il m'a parlé de comment mon mec a la fille venir, mais c'est quelqu'un que j'estimais. Son projet de lui, la fille. Et le projet, il investissait dans le truc. Mais il est venu dans un bénissant. Pasteur. Le monsieur est venu dans un bénissant. C'est comme ça qu'il est parti dans bénissant. Hein? À bon entendeur. Mais dans l'attention quand vous faites les réunions politiques et vous parlez, évitez le mettre. Évitez ça. L'Afrique n'a plus besoin de ça. C'est les pauvres qui meurent. Malheureusement. Mais ils vont vous attraper sous les risques, vous tuer un peu. Attention, hein. Les sorties politiques, la Côte d'Ivoire, j'ai peur. Les gens interviennent, j'ai peur. Parlez. Amen. Et puis vous allez régler certaines choses. Ça, c'est très important. Il y a certaines choses que je voulais dire, mais je m'arrête sur ça. Pour la situation politique, je m'arrête un peu sur ça. Je crois que les gens interprètent mal les choses. Amen. Moi, je suis un africaniste. J'aime bien l'Afrique. Mais je ne suis pas l'Afrique dans les conneries. Je ne suis pas les gens dans les conneries. Quand vous voyez les gens entrant, il y a des bains de sang. Vous voulez forcément, il y a des bains de sang. Il y a des bains de sang. Il y a des bains de sang. Le président doit démissionner. Dès qu'il y a bains de sang, que les gens commencent à faire des bains de sang, ne négligez pas ça. Le sang versé un sort. Quand les gens sont plus contents, je révolte, démissionnez. Parce que ce sang-là criera contre vous. L'être humain est précieux. Dès quelqu'un, l'être humain est précieux. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Vous êtes en bûchon politique, vous foutez des gens qui meurent, ça vous dit rien, les gens meurent. Attention. Amen. Attention. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alors, le deuxième collaborateur, dans les types de collaborateurs, parce que allons-y. Démas m'a abandonné par rapport au projet. Il est. Crescence est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc, seul est resté avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Amen. Et là, il dit Luc seul est resté. Il dit Luc seul est avec moi. Mais prends Marc. Vous voyez pourquoi le monsieur sent que Luc est resté, mais il dit d'avoir Marc. Il dit parce qu'il m'est utile. Le fait de rester, ce n'est pas ça qui est important, c'est l'utilité. Amen. En quoi tu es utile dans une œuvre de Dieu? Même si tu as résisté aux plus tempêtes, même si tu as résisté le moment le plus difficile, mais en quoi tu es utile? Il dit lui qui est resté, mais amen, Marc. Il y a des gens qui sont là près de toi, mais ils ne sont jamais utiles. Ils ne sont jamais utiles, ils sont là. Mais quand tu as les difficultés, ils sont là, ils vont dire, ah, c'est bien sûr. Mais ils ne sont jamais utiles à ta vie. Ils sont là, hein, mais jamais d'utilité à ta vie. Amen. Par contre, il y a des gens qui sont utiles. Dès qu'ils sont là, ils se sentent dans une affaire. Ils se sentent dedans. Ils sont obligés de se battre. Pour aider le ministère, ils sont obligés de se battre. Vous pensez m'avez saisi? Quelle est ton utilité? Quelle est ton utilité dans le nom de Dieu? Il dit amen pour Marc. Parce qu'il est utile. Amen. Dis à quelqu'un, sois utile pour le nom de Dieu. Dis à quelqu'un, sois utile pour le Dieu. Dis à quelqu'un, sois utile pour le nom de Dieu. Vous voulez, vous aimez le Seigneur, mais vous n'êtes jamais utile pour Dieu. C'est pour ça que Dieu, il ne vous voit pas. Amen. Amen. Dieu ne vous voit pas. Parce que vous n'êtes pas utile pour l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Vous n'êtes pas utile pour l'œuvre de Dieu. Sois utile pour l'œuvre de Dieu. Tu apportes quoi? Quel est ton apport? Tu es là
Il dit, Luc est resté, mais en même temps, Marc. C'est-à-dire, il voit Luc, mais il sent que Luc n'est même pas utile. Luc est là. Il va dans le sens contraire du vent. Pendant qu'on en met, c'est lui qui est toujours dans le tout contraire de la vision d'une œuvre de Dieu. Il dit, amène-moi Marc. Parce qu'il est utile. Sois utile pour l'œuvre de Dieu. Dis à quelqu'un, sois utile pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont soit ça, on ne sait même pas si soit ça. On s'en va parce qu'ils ne sont même pas utiles. Lui qui était là, n'était pas utile. Tu peux être là et puis être absent. Or, Marc, ce que Dieu aimerait, c'est que tu sois utile pour son œuvre. Amen. 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 Qui veut ton Marc? Alléluia. Amen. Alléluia. On va voir, on va voir. Lève la main à tout le monde, lève les mains. Mais on verra si tu es vraiment vrai, tu es utile. C'est maintenant, on va voir. Quand on va dire, il y a tant, on va voir si tu peux faire. Il y a telle chose, on dit non, voici, écoute, on va voir de quoi tu es capable. Voici, non, on va voir. Quand il y a une loi intime de l'œuvre de Dieu, toi tu tues. Quand toi tu tues. C'est quand tu te montres comme tu tues, tu estimes, tu attaques l'estime de Dieu. Tu deviens un ami de Dieu. Regardez, pourquoi Marc, malgré la présence de Luc, Paul a eu besoin de Marc? Parce qu'il a marqué Paul. Amen. Luc, c'était un médecin, un écrivain, tout ça, médecin, écrivain, il écrivait des choses. C'est vrai, mais il ne voyait pas trop son utilité dans l'œuvre de Dieu. C'est Marc qui voyait plus dans l'œuvre de Dieu. Toi, quelle est ton utilité? Il faut marquer Dieu. Jamais. Amen. Quelqu'un marque le Seigneur. Marque le Seigneur. Amen. Je suis en train de vous demander les enseignements, les prêtres. Quand vous venez à l'église, hein, soyez utile. Ne soyez pas seulement présent. Hein, mais soyez utile. Amen. Pour l'évolution de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. On va voir 14 des personnes. On a vu les très dangereux. Vu les très dangereux, verset 4. 14 plutôt. Le verset 14. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Amen. Amen. Le quatrième type de personne, lui, quand il vient, c'est qu'il te montre. Il dit Alexandre, le forgeron. Vous connaissez le forgeron? Il fait quoi? Il n'a pas marteau? Hein? Qu'est-ce qui caractérise un forgeron? C'est pas le marteau. Quand il vient, l'encoulou, il enfonce seul. C'est lui qui cherche toujours problème. C'est lui qui cherche à gagner toujours problème. Il est toujours dans les ondits. C'est lui qui, c'est-à-dire les faits et gestes, il interprète ça à sa manière. Il trouve que non, tu n'as pas bien salué. Il trouve que non, aujourd'hui, ce que tu as dit là, c'est de lui que tu as parlé. Et tout, et puis il te fait du mal, c'est-à-dire, lui, son passé dans ta vie là, c'est une peste. Il dit Alexandre, regardez même l'apôtre Paul, quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment, il dit Alexandre le forgeron m'a fait assez de mal. Il y a des gens qui viendront dans ta vie qui vous feront assez de mal. Il dit quoi? Il dit le Seigneur le rendra. Tout contrefait, tu payeras ça. Amen. Ne soyez pas comme Alexandre le forgeron. Dis amen. Amen. Est-ce que ma bien saisi? Amen. Je suis parti de collaborateur. Amen. Alors, c'est que le Seigneur aimerait que tu sois comme Marc. Dis amen. Amen. Utile pour son œuvre. Amen. Il faut être utile pour l'œuvre de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, sois utile pour l'œuvre de Dieu. Sois utile pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Frère, quand vous venez à l'église, cherchez la bénédiction. Amen. Parce que le salut, frère, il est personnel. Amen. Le salut, il est personnel. Il ne faut pas que quelqu'un te mise en erreur. Il ne faut pas aller prendre le péché de quelqu'un. Quand tu viens le ici, dans l'œuvre de Dieu, que ce soit ici ou quelque part dans une église, sois utile à l'œuvre de Dieu. Ne sois pas dans les ensembles, dans les histoires de première. Non, fais avancer l'œuvre de Dieu. Là où on ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu, ne mets pas ta tête dedans. Amen. Ou tu prends le manteau, ou tu prendras la lèpre. On se tient debout, frère. Alléluia. Amen. Nous levons tous les mains, commençons à prier. Demandons au Seigneur de nous aider. Dis amen. Levons les mains, commence à prier, dis au Seigneur de t'aider. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur, prions.
Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Je vais voir toute la salle en train de prier. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Manifeste-toi. Aide-nous à être utile à ton œuvre. Aide-nous, Seigneur. Utilise-nous. Oui, Seigneur, notre Dieu. Manifeste-toi pleinement dans notre vie. Glorifie ton nom. Nous comptons sur ta main. Et nous comptons sur la manifestation de ton pouvoir et de ton règne. Merci de te manifester. Merci d'agir d'une manière forte et puissante. Merci d'agir au nom de Jésus. On lève les mains, on lève les mains, on lève les mains. On commence à prier, Seigneur, merci de te manifester. Nous prions que la puissance gloire de Dieu. Merci. Et la gloire de ton esprit sur notre vie. La gloire de ton esprit sur notre vie. Homme de notre cœur, homme d'hypocrisie et de méchants aimés. Et manifeste-toi. Blah, blah, blah.
Yeah, I need my brother, honey.
Thank you.
I'm gonna be the last.
Lâche-la. 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 Maintenant, quitte sa vie. 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 Parce que
Pourquoi tu ne veux pas lâcher sa vie? Parce que je veux. Tu veux quoi? Je veux sa vie. Pourquoi? Parce que je veux sa vie. Pourquoi tu veux sa vie? Pourquoi tu n'as pas ça? 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 Quel est ton nom? Moi, mon nom? Oui. Depuis quand tu es dans sa vie? Je ne sais pas, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps? Oui. Quel est ton nom? Plus. Tu as gâché quoi dans sa vie? Beaucoup. Comme quoi? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ah oui. Quoi encore? Il a l'argent, il a bonne lui. Oui, tu as tout gâté. Il a tout. Comment tu as gâté? Gâté tout. Comment tu as gâté son bonheur? Parce que je voulais gâter, j'ai gâté. Oui, mais comment tu l'as fait? Parce que je suis rentré dans sa vie. Tu es depuis quand tu es rentré dans sa vie? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Ah, très longtemps, je sais pas, mais ça fait longtemps. Et c'est où tu es rentré dans sa vie? Quand elle était petite, je crois. Quand elle était petite. Je crois, je crois. Voilà. C'est ça quand elle était petite. Oui, je suis rentrée dans sa vie. Ok. Tu viens des eaux, c'est ça? Oui. Tu viens des eaux, c'est ça? Oui, je viens de là. Tu viens des eaux, c'est ça? Oui, c'est là-bas, je vis. Voilà. Et c'est toi qui rentres dans sa vie? Oui, je suis rentrée. Voilà. Dans sa vie, c'est ça? Oui, je suis rentrée. Et tu es actuellement dans sa tête? Oui. Tu es dans sa tête, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, comme un serpent, c'est ça? Oui, comme un serpent. Dans sa tête, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, maintenant, pendant que je pars. S'il te plaît, arrête. Pendant que je pars. Pourquoi tu n'as pas ma vie? Pourquoi ma vie? Là. C'est nos vies. Non. C'est nos vies. Non. Non. C'est nos vies. Non. Bon, désormais, son nouveau maître sera Jésus. Mais, tu m'entends? Je ne veux pas moi. Si, tu n'as pas d'ordre à me donner. Je ne veux pas moi. Bon, tu ne veux pas me dire. Arrête! Tu vas partir. C'est un homme. Pourquoi tu dois partir? Parce que tu l'as rendu malheureuse. Pourquoi? Parce que tu l'as rendu malheureuse. Jésus, tu veux de cette foi. Jésus te sauve. Je ne sais pas. Oui, va-t'en. Pourquoi? Va-t'en. Pourquoi tu ne sais pas toi? Va. Va. Pourquoi tu veux gagner maintenant? Va. Va. Va-t'en. 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 S'il te plaît. 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 Je vous bénisse, amen. Soyez bénis.